Bonjour à tous et à toutes, ici Vanilloumi. On se retrouve pour une petite vidéo du jeu Wolf Quest, donc Anniversary Edition, qui est en Early Access sur Steam. Et vraiment qui est un jeu qui me plaît beaucoup, donc qui aspire littéralement mon âme actuellement. Voilà, donc ici au niveau de la partie, j'avais très envie de jouer Axis, que vous voyez ici, à gauche. Donc Axis en fait est le fils d'un moucheté et de Bouton de Rose. Donc d'un moucheté qui fait partie de la meute des écumeurs de daim, qui est une meute challenge qui ne peut chasser que les cermulets. Donc cermulets, bichemulets, formulets, etc. Avec une petite exception pour les lièvres, en cas de pépin. Histoire d'avoir une petite assurance vie, quoi. Alors, donc ici, je vais jouer donc avec la mort du compagnon, de la compagne activée, et en difficulté accurate, donc qui est la difficulté la plus élevée sur Wolf Quest. C'est parti! Donc ici on est parti sur Amethyst Mountain, donc la première carte du jeu. Et actuellement donc ici, voilà, donc je suis un loup gris. Donc Axis est un loup gris, donc qui est né voilà, donc dans le nord de Yellowstone, donc du parc de Yellowstone. Donc il a appris, comment dire, à être un loup avec sa meute de naissance, donc celle de ses parents. Et maintenant qu'il a 2 ans, bah, il est temps pour lui de s'aventurer, donc de partir à l'aventure pour trouver sa propre compagne et fonder sa propre famille. Hop. Et pour cela, donc, il doit d'abord apprendre à chasser. Voilà, et alors ici, il devra devenir un bon chasseur pour pouvoir persuader une louve de devenir sa compagne. Donc là, il faut tuer 2 wapitis. Donc ici, ce seront les 2 seuls wapitis que je vais tuer durant tout le jeu. Donc allons-y. Ah oui, je ne vous ai pas montré ses stats. Donc Axis a la particularité d'être ce qu'on appelle le runt de la portée, soit l'avorton. En fait, donc il part avec des statistiques négatives, donc moins 2 en vitesse et moins 1 en santé. Autant vous dire que ça va être du sport. Je suis actuellement sur la bêta avec le système de blessures qui a été mis en place, donc ça va être encore plus rigolo. Alors donc mettons-nous en quête de notre première proie. Sinon, pour vous parler un petit peu d'Axis, donc Axis c'est un petit loup qui a eu déjà pas mal de petites dérouillées dans sa vie. Donc il a réchappé de peu à la maladie et aux prédateurs, donc ils se sont un petit peu acharnés sur lui, donc il a eu beaucoup de chance. On espère qu'il va continuer à en avoir. Et c'est un loup qui est assez aventureux, au naturel, et qui aime aussi croquer la vie à pleines dents, donc c'est un loup qui est très très optimiste. Alors, donc ici nous avons des muldyrs. Des cermulets. Et bien allons-y. Nous trouverons sûrement des wapitis un peu plus tard. Ah, là. Les cermulets sont des proies un petit peu particulières à chasser. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des proies qui sont extrêmement rapides et qui mettent un petit peu de temps avant de s'épuiser. Hein. Donc, là, la technique en fait, c'est de sprinter jusqu'à ce que votre stamina, donc ici votre endurance, arrive environ à 1/3. De relâcher pour récupérer, laisser le cermulet vous distancer, puis recommencer à répétition jusqu'à ce qu'il ralentisse. En gros. Elle a ralenti. Ah, je suis blessée.
Donc je suis blessée à la mâchoire, donc ce qui va réduire ma force pendant quelques jours. Évidemment, il se soignera plus vite. Donc avec une santé supérieure à 90%. Et donc ici, il vaut mieux que je fasse attention. Donc ici, ma proie n'est pas du tout fatiguée. Hein. Fatiguée encore un petit peu. Et là je l'ai perdu. Par là. Et là. Aïe, il est en arrêt sur le territoire des Lamar Canyon, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ça va aller. Ah, elle commence à courir. Hop. Ok. Ok, donc là, elle est épuisée, donc j'aurai un petit peu plus de chance de la voir. Juste attendre que l'endurance remonte. Essayons de l'éloigner des lamas. J'ai pas très envie qu'ils me surprennent. Wow, wow. Profitez. Allez, cours. Je trotte derrière, tout va bien. Et hop. Allez, on y est presque. Et hop là. Et elle m'a emmené où ? Près du point de respawn des Lamar Canyon, effectivement. Et au mieux que je ne reste pas trop dans le coin. Pousser le vis jusqu'à hurler. C'est juste pour marquer la carcasse. On va y revenir plus tard. Oh oh. Non, non, je ne reste pas, messieurs, dames. Non, non, non.
Je m'en vais. Je ne veux pas de problème. Non, je ne veux pas de problème. Je m'en allais de toute façon. Ne me mords pas. Oh, elle a une oreille couchée. Donc ça, c'est une petite nouveauté de la bêta aussi, c'est que les loups rivaux, en fait, ils ont une plus grande diversité de pelage maintenant, et ils ont aussi la possibilité d'avoir des petits artifices, des petits ornements, style les oreilles couchées, etc. En plus des... Donc auparavant, ils pouvaient juste avoir des colliers, donc des colliers radar. Et là, maintenant, ils peuvent aussi avoir les oreilles couchées. Et ça, je trouve ça vraiment génial, parce que ça rajoute un petit côté en plus. Je ne sais pas si c'est un mâle ou si c'est une femelle, par contre. Je me demande si elle n'a pas une lunar coat. Ça y est. Je veux juste savoir si tu es une femelle. Où es-tu ? Elle est là. Oui, c'est une femelle. C'est la deuxième fille de la portée. Elle se trouve à un petit coin pour se reposer ici, par exemple. Ce sera parfait. On va faire dodo. Axis ressemble quand même beaucoup à sa mère Bouton de Rose. Paix sur elle. Elle a été tuée par un ours alors qu'il avait à peine 2 mois. Donc ce n'est vraiment pas de chance. Et il a failli perdre sa seconde maman, donc sa maman adoptive, de la même façon. Donc c'est... Il a un passif très particulier avec les ours. J'espère que pour lui tout se passera bien à ce niveau-là. Bon. Lapin. Ah, quoique. Ah non, ils ont mangé ma proie. Bon. Ouais, et donc ici, malheureusement, donc la blessure mineure, elle réduit ma force de 1 point. Ce qui met en fait mon total de force à moins 1 au lieu de 0. Et ça le fait manger aussi plus lentement. Le mieux est que j'évite de chasser jusqu'à ce que ce soit guéri. Donc là, on va encore une fois se reposer. Pas de danger à l'horizon, on dirait. Oh. Tiens. Je sens des mâles de la Mutaiden. Oh, mieux vaut que je ne traîne pas trop dans le coin. On va voir si on trouve quelques wapitis. Là, on va aller voir. Il y a à nouveau des cerfs, une menargue.
étrange que à chaque fois que j'ai des loups challenge qui doivent chasser des wapiti avant de pouvoir poursuivre la suite de l'aventure, je n'ai que des samulets qui apparaissent et les wapiti se cachent très très bien. À croire qu'ils ont peur en fait, je ne sais pas. Oui, c'est très bien, mais je ne vous chasse pas pour l'instant. J'ai entendu quelque chose me grogner dessus. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû rêver. Donc, c'est encore des lapins. Des lapins encore. Ah, je pense que c'est un bison. Oui, ce sont des bisons. Ce qui va être potentiellement très dangereux. Et donc j'évite de m'en approcher. Ça va aller, on va trouver des wapiti et ça va le faire. Où êtes-vous? Alors, nous dire bison. Ah, je suis de retour sur les terres des lamas. Oui, non, mais je n'en ai pas appris vous. Ah, bison. Oh, il est tout seul. Ah non, ils sont deux. Trois. Il y a un ours. On va éviter. Oula. Oh là là. Oh là là. Oh non non. Oh non non. Je ne reste pas là. Un renard. Qu'est-ce que c'est? Parapluie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Non. Il n'y a qu'un qui dirait de la brume. Ah, c'est rigolo. On dirait un grand bâton avec une pointe au bout. Ça pour plus tard. Ah. J'ai entendu des wapiti. Je pense que ça venait de par là. D'accord. Non plus. Ah,
Oh, il y a vraiment que des cerf-mulets dans le coin. Je voudrais chasser avec plaisir, mais il faut que j'impressionne une partenaire potentielle. Et pour ça, il me faut plus gros. Même si je n'ai pas l'impression que je vais tomber dessus. Peut-être que plus au nord. Des traces de cerf-mulet. Où est-ce que vous vous cachez ? Où êtes-vous, petit wapiti? Des lamas et des pascas par là. Non, on va éviter. Un tirnard, je crois, ou un coyote. Le mâle de la Pasca. Ils ont peut-être trouvé des wapitis, mais j'en doute. Ou peut-être aller voir. Oh, il y en a plein ici, plein d'odeurs. Rosebud. Oh, oh, une femelle. La Mare Canyon, ils sont pas très loin. Oh, les coyotes. Près de la Lamar Valley, on va peut-être aller du côté de l'Overlook. Ah, il y a une harde pas très loin. Ah, ici. Oh bah tiens. Alors, voyons voir. Ouh, le moule. Dessus. Bonjour. Ah, petit spike. Ah. Ça y est, ils sont en fuite. On va essayer de ne pas se faire distancer. J'ai l'impression que celle-ci est un peu plus faible. On va voir ce que ça donne. Tout la cas, elle n'a pas la tête levée comme les autres, donc j'ai l'impression qu'effectivement elle est un peu plus faible. J'espère ne pas me laisser distancer. Voilà, rejoins le milieu du troupeau. Ah, je commence à être essoufflée en plus. Allez, du nerf, Axis, du nerf, tu vas y arriver. C'est un petit. Mais il faut que je fasse très très attention à la maman.
Oh là, oh là, oh là, elle ne me laisse aucune ouverture. Ça, ça m'arrange pas. On va essayer de le mordre. Oui. Effectivement, c'est un bon candidat. On va juste essayer d'effrayer le petit. Ah. Non, 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 non. Il va-t'en. Cette maman est très stressante. Mais non, je veux juste manger ton petit. Il n'y a pas mort d'homme. Ni de loup d'ailleurs. Elle le couvre vraiment de très très près. Oula. Vraiment que j'évite ses coups de sabot. Oh, j'ai eu de la chance. Allez. Allez, cours petit, cours. Oh là, raté. J'espère que ces dames n'ont pas vu ça. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. On va les laisser courir. Pas très envie de me prendre un autre coup de la maman. Elle ralentit exprès. Hein. Oh. Tiens, il n'essaie pas de se défendre. Courez, courez. Allez, à moi de jouer. Et attention la maman. Ah, presque. Presque. Oh. Je ne sais pas où est la maman. Elle est là. C'est bon. Ouh. J'ai réussi. Je vais savourer ma prise bien méritée pendant que je soigne mes blessures. Ah, super. Je n'ai plus mal à la mâchoire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Carcasse pour plus tard et c'est un renard. Et toujours pas de wapiti. On va attendre que la santé soit au top. Voilà. Oh oh, il y a un puma là. Pas l'air très décidé à me disputer ma proie. Bon, allons-y. Ah non, ça c'est ma proie ça. Je vais un petit peu plus vers l'ouest du coup. Un élan mâle, on va éviter. Ah, Junction Butte.
descendre un petit peu quand même. Je ne tiens pas à affronter des loups d'une meute. Du moins pas en sous-nombre. De toute façon, il n'y a pas d'eau en urgence à chasser. J'ai l'estomac plein. Et la vie est belle. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Des cervulets. Oui, menargue, hein. Le jeu menargue. Par là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Un grizzly. Ça ne m'intéresse pas du tout. Grizzly, coyote, grizzly. Non. Peut-être plus au sud. On va descendre un petit peu plus au sud et on va voir ce que ça donne.